On y passe du temps. Hop, je crois qu'il avait fait tomber une arme. Bon, finalement, non, pas du tout. Ah là là. Oh! Rien à voir. Hop. Je vais y arriver. Bon, en tout cas, j'ai commencé à jouer à... Arceus là et Arceus, je sais pas comment vous dites, mais franchement, c'est plutôt sympa. Bon, il est pourtant il est assez calme pour l'instant. On va pouvoir faire ça. Et pour l'instant, j'aime bien Arceus. Ce que je disais, c'est une nouvelle proposition de Pokémon et ça me fait penser un peu à un peu ce qui peut se faire avec les premiers donjons mystères, tout ça. Moi j'aime bien. Allez! Alors non, on va prendre ça. On va peut-être prendre aussi un petit peu de la bouffe là. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? J'ai vraiment fait la chose la plus débile de France. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je perds patience. Putain, tout ça pourquoi? Petite baguette de glace, on sait jamais, ça peut toujours servir. Il donne rien d'autre? Oh là là, le pire gameplay. C'est vrai que... Ah mais putain, j'avoue les vêtements, j'ai complètement zappé ça. Merci beaucoup Emilou. Ça devrait être mieux là. Oh la... Patate que je lui ai mis. Non, je veux ton, je veux tes loot. On est en train de faire le l'endroit en profondeur là. On est en train de vraiment tout tout nettoyer quoi. Est-ce qu'on va voir le chameau, l'éléphant aujourd'hui? C'est vous qui allez me proposer un sondage. Ça ne veut pas dire que je vais forcément le faire. Mais vous pouvez vous poser la question. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien ici? Il n'y a rien. Autant continuer à se diriger vers... Wow. Ok. Ok, et je vais revenir sur, sur là ce qu'il y a miné là. Ça me plaît, moi. Ok, petit silex classique. Why not? Et ensuite, bah là, on arrive quasiment quoi. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui nous attend en haut là? Ah, c'est bon. Eh ben, sacré. Sacré périple. Éléphant aujourd'hui, la vraie question. Oui, yes, life. Votez, les enfants, votez. Moi, je peux voter aussi. Oh, j'ai envie de dire flemme plus tard, on chill. Mais bon, je sens que les gens vont vouloir malgré tout, donc. On va peut-être traire de l'éléphant. Qui sait? Oh, mais non, faut que je me fasse un lunel. Non. J'ai pas dit que je voulais en faire un. J'ai dit, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Attention. Pas de yes, life. Oh non, non, j'ai déjà fait ça hier. Oh non, je veux. Soyez, trop... Soyez calmes, les enfants. Non, mais oh. J'ai entendu un bruit là. Ah. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on va crier comme ça, mais. Oh! 50-50, donc c'est moi qui dessine. Hier c'était YOLO, pas Yes Life. Ne confonds pas tout. Bon, 50-50, tranquille. C'est moi qui dessine. Bonne question. Très bonne question même. En fait, avec le prince Sidon et d'autres, Zora du domaine, on cherche un Lilien. Bon, la classique, hein, on connaît. Ouais, il va falloir venir là. Et ouais, il ne m'entend pas. Raye. Bon. Allez. On met la petite... bah, cinématique, évidemment. Je pensais à un stémentel du streamer. Merci beaucoup, Enski. Tu régales. Une petite session tranquille, hein, évidemment. Hein. On avance posément, évidemment. Ce soir. Mais on avance quand même. Il nous faudra un quatrième sanctuaire, évidemment. Qu'on va trouver dans la ville Zora. Puis ensuite, on va essayer de... Je pense même pas qu'on va commencer la première quête. Avant d'avoir l'éléphant. Oh, le sanctuaire qu'on va dans le fond, là, moi, à un moment... Il me nargue. C'est terrible, ce sanctuaire. Et là, bam. Y a-t-il plus explicite que ça pour dire qu'il y a la ville des Zora? Je ne crois pas, non. Tralala. Magnifique. Magnifique. Bon. On va parler français. J'ai envie de tenter un truc là. Je me souviens un peu de ce qui se passe dans le jeu. Alors j'atterris sur la tour techniquement. Voilà. Bon, les petites cinématiques. Ouais, je suis un lien, ouais. Ok, voilà, je suis en prince de Zora. Des Zora. Ouais, des Zora. Mais oui, prédiction réussie, effectivement, pour Anski. Oh la magnifique. J'ai entendu ce nom quelque part. En tout cas, j'aime bien. Pour te dire, cela fait déjà un moment que je t'observe. Cette allure, cette. Extraordinaire qui émane de tout cœur. Link, tu es un puissant guerrier ilien, n'est-ce pas? Et oui. En tout cas, dans la prochaine session, on fait l'éléphant, hein, quoi qu'il arrive. Sachez-le. Bien joué, petit.
Allez, en vrai, je connais l'histoire. Ça, j'avais refait un peu, du coup, dans ma... Pas la session d'il y a 5 ans, mais d'il y a un an et demi, je crois. Et nous accepterais-tu de venir au domaine Zoran? En tout cas, ils sont plus cool que les Gerudo. Ils sont plus ouverts. C'est vrai qu'on peut pas escalader les falaises à cause de la pluie. Tu suivras le domaine. Putain, ils sont... C'est intelligent, quoi. Mais si t'as gagné... T'inquiète pas, ça sera pour une prochaine fois, Anski. C'est vrai que les gens sont pas trop foulés là, ils ont pas trop voté. Aïe aïe aïe. C'est quelque chose pour t'encourager. Wow, j'aime pas trop ça. Je sais pas si c'est parce que c'est un remède lien, mais il ne marche pas très bien sur nos autres auras. Par contre, je pense qu'il sera très efficace sur toi. Je vais partir maintenant pour m'assurer qu'il n'y a aucun danger. Je compte sur toi. Let's gong. Ce fameux passage qu'on va devoir faire. Bon, bah écoutez. Nouvel objectif, aller ici tout simplement. Il va falloir crapahuter hein, et faire pas mal de petits détours. On aurait pu faire juste zoom, mais malheureusement, ça va être complicado. Et puis on a la tour Gerudo aussi à faire. Ah, mais c'est ça qu'on devait faire aussi. Oh, Reine Ananas! Elephant, c'est un éléphant, mais non. Et effectivement, bienvenue à toi, Reine Ananas, évidemment. Bah, une de mes premières subs, évidemment. Let's gong. Comment vas-tu? Écoute, là, nous, on est. On est sur du Zora, il pleut. Welcome to the Bretagne ou Normandie comme tu le sens. Et puis on est parti tranquillement pour taper des mobs. Oula, je t'ai vu toi. T'as, y en a des choses ici. Hop! Ah bah c'est du propre. 5 flèches de... C'est pas mal. Hop, une petite perche max. Ça régale. Et écoutez, on continue tranquillement notre petite ascension. Hop là, encore un. Le petit écureuil cette fois. Ah, c'est pas là qu'on doit aller. Hop là. Bon. Ça, il est parti loin. Bon, allez, pas le temps de niaiser. Ça pourra toujours être utile. Ça aussi. Est-ce que je prends ça? Bon, allez, pour rigoler. Mais ils glissent tous trop là. Par contre, ça valait le coup. Là, descendre pour 10 flèches, c'est pas mal. Comment tu vas, Ananas, en tout cas? Oh là là. C'est content de te voir sur le stream là. On va faire du manga ce soir, finalement. Changement de programme. Bon, ils sont efficaces. Au cas où on aurait oublié. Et toi, comment vas-tu? Parce que oui, on devait faire du. Oh non. Oh! Je l'ai quand même. C'est.
Hop là. Je le sentais venir. Hop là. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Puis après, on est reparti. Poser avec mon chat devant le live. Parfait. Bonjour à ton chat, évidemment. Puis nous, on est tranquillement parti. Ok, nickel. J'aime bien, là. Allez. On ne va pas faire de chichi. Petit champi. Oh, oula. Elle est flex. Comme je t'ai relevé de force, je ne savais pas si tu viendrais. Je suis rassuré de voir que tu progresses bien. Bah oui. Tranquille en vrai. Hein. Tranquille. Depuis le phénomène récent, les monstres polluent par ici. Pullulent par ici, pardon. Alors sois prudent, les auras t'attendent, Link. Les auras t'attendent. Let's fucking Kong. En tout cas, posez-vous tranquillement, évidemment, n'hésitez pas, on est chill ici, on est détente, un petit arc du voyageur, pourquoi pas, allez, on est ici sur la bonne ambiance. Est-ce qu'il y avait quelque chose par ici en fait? Ah mais oui, attendez. Oh là là. À côté de quoi on est passé là? Je ne devais pas partir en si bon chemin. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh! Sympa ça. Un petit saphir. Allez, pourquoi pas. On va garder l'épée de voyageur parce que c'est rigolo. Ah. C'est très rigolo. Allez, c'est reti par. Oh, salut Hugo, comment tu vas? Oh là, il y a du monde qui passe ce soir, c'est trop cool. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, toi, Hugo. On est parti sur les auras. Si jamais tu demandes. En tout cas, là, je pouvais faire un petit truc comme ça, là. Eh bah, attendez, il y a ça aussi, là. Ouais, bon, allez, on va pas tout faire. Hello le chat, comment ça va? Je me suis d'accord avec toi, c'est un stream détente ici, mais bien sûr, évidemment. En tout cas, merci de passer, Hugo. N'hésite pas à te poser tranquillement. Là, je vais commenter, je vais parler tout seul. Tranquillement, n'hésitez pas à prendre le coup comme peut-être la reine ananas, votre chat avec vous. Si vous n'avez pas de chat, écoutez. Oh non. Oh, excusez-moi là, les affaires reprennent. Voilà. N'hésitez pas à prendre un petit chocolat chaud si jamais. Voilà, comme elle est tombée. Avec une petite épée, hein. Hop. Bam. Pas de pitié. Putain, ça fait combien de flèches? Énorme. Petite truffe max, pourquoi pas. J'ai envie d'aller là-haut, là. Je suis sûr qu'il y a un truc. Il n'y a rien du tout. Par contre, la texture là de la pierre, agréable. Un petit gland. Ça peut toujours être utile. Même si c'est un petit quart de cœur. Oula. Quoi, pardon? Oula. Bon, allez. On va faire brûler tout ça, évidemment. On va aller chercher le petit coffre là qu'il y a derrière. Ça, je me suis fait avoir par les ronces, je m'y attendais pas du tout. Le petit coffre. Des petits rubis. Hop.
Puis on est reparti par quoi? Écoutez. Toi, oh là là. Oh le plaisir. Oh, ça lag du cul par contre. La Switch est... Oh non! Je me suis fait avoir. Alors attendez. Là, il va me falloir ceci. Je vois en tout cas qu'on est bien en termes de TP, pas trop, mais ok. On va prendre ça. Ok. Allons, on y va, c'est parti. J'en ai marre! Arrête. Oh là, la jouabilité a été meilleure. Oh le petit quart de cœur là qui fait plaisir en tout cas. Bah écoutez, on est dans la gourmandise ici. Je n'ai plus de flèches. Il va falloir évidemment juste après assurer parce que. Il est là, lui. Je t'ai vu, toi. Hop, j'ai eu tout le monde. Oula, non. Peut-être s'éloigner un peu de là. Pas de flèche électrique ici. Ok. Oh, le miel, on va peut-être éviter, hein. J'ai beau aimer le miel. Oula. Oh, un petit arc du chevalier, pourquoi pas aller. Un petit Radimax, ça régale aussi. Ah, des petites flèches électriques ici aussi. Ça fait plaisir. Par contre, ouais, j'étais pas, j'avais oublié ce détail avec les flèches électriques. Bon, il y a des choses qu'on va devoir jeter, hein. Je vais pas vous mentir, genre ça, ça. Le cœur y était, mais pas trop le reste, quoi. Par contre, on est d'accord que j'ai utilisé des flèches de flamme un peu trop de manière abusive. Bah, c'est magnifique ces boucles d'oreilles, effectivement, ouais, j'espère que vous appréciez plutôt bien. Ça me permet de survivre, évidemment. De survivre tout simplement, voilà, si jamais rien ne menace. Nani. Bon allez. Oh ça lag du cul par contre ici. Hein. C'est terrible. Attendez, c'est ici que j'ai pas été aussi. Ah oh, regardez. À côté de quoi j'ai failli passer. Ça nous fait combien de... Ouais, plus trop de flèches quoi. Oh ça lag ici. La pluie plus le détail. C'est la Switch qui a du mal, évidemment. J'étais plus intelligent dans la vie. Mais bon, ne m'en voulez pas. Allez. Pas le temps de niaiser, les enfants. Nous sommes repartis. Et on n'est pas du tout arrivé. Oh là là, terrible histoire. Terrible histoire. Bon, allez. Voilà, regardez. Des petits rads. Un gros rad, Imax, même. Magnifique. Eh bien, écoutez, on continue à avancer tranquillement. Oh, ça fait le même bruit que les lézards, machin. Ce qui n'est pas pour me rassurer. Oh non, ma grenouille!
C'est toi, ma grenouille? Oh non! Et là, j'ai vu le petit minerai là derrière, aussi, hein. Un petit discretos là. Avance à bon rythme, je t'encourage à la rivière. Let's gong. Putain, il flex devant moi là. Enfin, si, Se fait pas le mec, il aurait pu me prendre quoi. Ok. Bon, allez. On va reprendre cette petite épée de glace pour évidemment repartir de l'avant. Attends, quoi, 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 quoi? Il en reste une! Ok. Putain, elle m'a fait peur. Ok. Au moins ça c'est fait. J'ai moins de peur maintenant. Ça pour du silex. Aïe aïe aïe. Oh les petites chauves-souris là m'ont pas. Elles m'ont mis un peu dans le mal là. Oula. Je sens qu'il va nous falloir. Ok, bonne ambiance. Bah écoutez, on va partir sur un petit. Là, on est bien. On arrive sur un endroit quand même plutôt stylé. Ok, j'espère qu'il n'y a plus d'orage. Ça m'a l'air d'être bon. Ok. J'ai besoin d'armes là. Oh là là, le stress. Ça pourrait être très beau une adaptation au ciné de Zelda. Ah, moi je suis pas très fan, j'avoue, des adaptations de jeux vidéo au cinéma. En fait, je trouve ça un peu. Par rapport à tout ce que tu peux faire dans un jeu, je trouve c'est un peu délimité de manière un peu grossière parfois un jeu dans un film. Après, il y a des contre-exemples évidemment. Et en général, ça peut parfois arriver qu'il y ait un bon mix, mais. En fait, les flèches explosives ne servent absolument à rien. En général, ouais. Moi, je suis pas trop fan des adaptations de films. Enfin, des adaptations en film de jeux vidéo. Mais bon, après c'est personnel. En vrai, il y a très bons films. J'avais commencé à regarder Détective Pikachu et c'était une dinguerie pour le coup. Allez, un épieu, ça fera toujours plaisir. Mais ouais, en vrai Zelda. En plus, le personnage principal ne parle pas de base. Tu vois, Hugo, du coup. Le faire parler, ça serait un peu chelou. À part, y a que trois jeux où les personnages ont pu parler et c'est pas les meilleurs jeux. C'est Philippe CDI. Je te laisserai aller voir ce que c'est. On a connu plus fou. Link. Attendez, mode cinématique évidemment là. Pour une sorte de
En fait, non. Tu risques de traverser des coins avec pas mal de monstres un peu plus haut, mais je suis sûr que tu t'en sortiras. Je crois en toi, Link. Let's go. Let's go. Oh, regardez-moi ce jeu. Magnifique. En tout cas, nous sommes partis. J'ai des épieux, j'ai des choses si jamais... attendez. C'est pas là qu'on doit aller, nous. Ouais, putain, je vais en arrière, moi. Et voilà, ça commence à devenir sérieux. Cette histoire. Oh là là, ça lag du cul. Y'a R. Ok, pas mal. Ok, pas mal. En tout cas, en vrai, j'attends de voir. Pourquoi pas un petit jeu. Très cher Hugo, mais. Moi, je suis pas très très fan. Voilà, après, encore une fois, c'est très personnel. Parce que déjà, le personnage parle pas. Y a... En vrai, c'est des longues épopées en général, Zelda, tu vois. Comme ici. Donc, en vrai, à voir. Mais. Quand il y a des sagas, tu vois qu'ils s'y prêtent plus. Pourquoi j'ai fait ça? C'est un peu bête là. Hop, quel corail magnifique. Allez hop. Il s'est figé dans la glace. Son vrai soir. Ah, je savais pas qu'on pouvait casser en tout cas les... Ce qui était en fer avec ça, ce qui est tant mieux, ce qui est tant mieux. Bon, allez, hop, viens là, petite grenouille. Ah, oh non, elle a disparu. Je suis anéanti. Ah, ok, je pensais qu'il y avait un effet genre de portée, je sais pas quoi, mais que nenni. Waouh, tu m'as fait peur. Eh, ils m'ont fait trop peur. Ils m'ont fait trop bader. Pardon. Toi, ton frère, tu vas... Allez, hop. Un coup, la portée... Un coup, il y a de la portée, un coup, il n'y en a plus. Bon, là, je vais prendre les armes parce que je vais tout prendre. Mais waouh! Putain, il m'a fait peur avec sa. Avec ses, son électricité là. J'ai moyennement aimé. Histoire des Zoras, chapitre 1er. L'éternel domaine Zora. Enfin, Darefa, roi des Zoras. De tout temps. On dirait un début de mauvaise copie de philo. De tout temps! L'homme a su... De tout temps, la région de l'Anel a été arrosée de pluie abondante et regorge d'eau de source. Tous les auras à la recherche d'eau convergèrent vers ces terres et c'est il y a 10 000 ans qu'ils y bâtirent une ville. Les minerais abondants dans la région. Les habitations y furent construites en pierre et la taille de la pierre se développa à la ville. A évolué jusqu'à devenir le grand bâtiment que constitue le domaine. D'aucuns
n'hésitent à qualifier ce fleuron de l'architecture Zohra de sculpture. Oh! La fatigue, dis donc. Elle est la cristallisation de la technique ancestrale de nos tailleurs de pierre et l'incarnation de leur fierté. Tiens, tiens, tiens. Et là, regardez. Beau point de vue, là. Avec des tours qu'on a déjà conquises. Et ça, c'est magnifique. Et là, on a. On est sur la. Non, on est à la moitié, en fait. Il nous reste encore pas mal de taf. Enfin, quand je dis pas mal de taf, pas mal de. De route. Allez, on va reprendre, évidemment. Bon. Venez là, la petite grenouille. En tout cas, ils font les mêmes bruits que les aros, c'est ça, j'ai même moyen de mener ça. Libellule! C'était ma libellule! Mais bon, tant pis. J'ai fait le deuil. Tiens, 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 qu'y a-t-il par ici? Oh non! Il a glissé ou c'est moi? Un lézard max. Let's go. Aïe ah, je crois qu'il y a un truc ici là. Il y a R. Et là non plus. Ça peut être un raccourci. Mais non, nous on va faire les choses bien. Et là j'ai vu le gros passant, là j'ai envie d'y aller. On ira ici là. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue pas mal. Quoi ça? Oh c'est chelou la texture et l'ombre là. Terrible histoire. Bon j'espère que vous passez un bon petit moment là. N'hésitez pas à échanger si vous avez quelconque envie de discutoyer de sujet, sait-on jamais. On fouille un petit peu. Hein. Qu'y a-t-il par ici? C'est quoi ça? Oh! Un peu plus de l'or. Les gong. J'aime le lore. J'aime le lore. Histoire des auras, chapitre 3. On a loupé un truc déjà. On raconte qu'il y a fort longtemps, il y avait au domaine Zora un roi qui n'avait aucun talent pour le combat. Cela n'avait aucune importance pour la reine, qui l'aimait tendrement. Un jour, le roi apprit qu'une horde de monstres était en train de se former sur la chaîne de Sète. Ce qui plongea la reine dans une grande inquiétude. Elle cousit alors une de ses écailles sur l'armure du roi en priant pour qu'il revienne sain et sauf. Durant la bataille, les Zora avaient l'avantage et il semblait pouvoir l'emporter sans encombre. Quand soudain, profitant d'un moment d'inattention, un général, les Alphos, parvint à se frayer un chemin jusqu'au roi. Au moment où Lesos prendit son épée pour achever, un miracle se produisit. Une partie de l'armure du roi émit une forte lumière qui aveugla Lesaros. Le roi, ne laissant pas passer cette chance, porta un coup fatal au Lesaros. Au Lesaphos. Lumière du soleil se couchant s'était réfléchie sur l'écaille que la reine avait cousue sur le roi.
C'est une écaille blanche que seules les femmes Zora possèdent. Voilà l'explication de ce miracle. De là est née la tradition qui veut que les princesses Zora offrent une armure de leur, à leur propre époux pour leur salut. C'est trop intéressant. C'est très le lore. C'est génial. Je savais pas. Bah, je pense. On en apprend tous les jours. Hein. Même dans le lore de Zelda. Bon, maintenant, faut se retaper toute la montée, là. Et ça, ce n'est pas une mince affaire.